Pourquoi est-ce qu'exactement vous écrivez et vous chantez des chansons? Ah, mon Dieu! Pour moi, c'est très, très important parce que... il me semble que j'ai bien des affaires que je veux dire. On va essayer de toutes les dire. J'ai été trop silencieuse longtemps. Comme la plupart des femmes, on parle pas tellement et des fois... on a de la difficulté à s'exprimer, oui, peut-être. Mais comment ça vous est venu, ce désir de vous exprimer? Vous étiez rendu compte, vous étiez silencieuse depuis tant de temps. Bien, j'ai toujours chanté. Moi, j'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite. Là, j'ai toujours eu le goût de m'exprimer musicalement. Et puis, je faisais ça, mais c'était les chansons des autres que je chantais. Et puis, à un moment donné... j'avais plus le goût de le faire. Je me disais, ah, bon, ben c'est pas vraiment moi. Et puis les chansons de folklore, c'est des paroles d'un autre temps, c'est pas des paroles d'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on regarde autour de nous, il y a tant de choses qui vont pas à notre goût. Et à un moment donné, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait prendre conscience de ça. C'était mon impresario. Elle a dit, je crois que tu devrais écrire parce que t'es fait pour chanter, mais tu sais pas quoi chanter. Alors, elle a dit, si tu veux, je te passe mon bureau pendant un an de temps et tu fais que ça, écrire. Puis ça m'a pris 6 mois avant que ça sorte. Mais j'étais là, puis je dessinais, puis Mais quand ça a commencé à sortir, qu'est-ce qui est sorti? Et finalement, quand ça a commencé à sortir, il est sorti toutes sortes de chansons sur toutes sortes de sujets, puis sur une espèce de réveil de l'individu, puis en, dans mon cas, mais de la femme. La femme qui dormait. La femme qui... Bon. Mais celle qui s'est trouvée en se réveillant, elle avait l'air de quoi? Elle avait l'air de quoi? Elle avait l'air bien de bonne humeur, malgré tout. Elle n'a pas perdu sa bonne humeur dans le silence? Non. Mais elle avait le goût de critiquer un peu. Elle avait le goût de relever des affaires qui n'allaient pas. Comme par exemple, j'ai écrit des chansons sur la publicité, sur les revues, sur tout ce qui avait fait que la femme suivait, mais jamais qu'elle était elle-même, un individu. On nous mettait toujours cordées pareilles, toutes bien habillées, toutes tranquilles, toutes mariées, toutes dans les mêmes maisons, toutes dans les... le même moule, là. Mais vous et aussi, puis, Angèle, vous avez vécu ça. Vous avez suivi ce moule-là, vous êtes mariée. Et oui, puis oui. Un jour, vous avez décidé que votre vie, c'était la vôtre. Et puis vous aviez une vie à vous, à oui, vivre. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça arrive à beaucoup de gens vers la vingtaine. Là. Surtout, moi, je sortais d'université, mon mari sortait d'université. On sort de l'école, on a un peu peur de sauter dans la vie avec tout ce que ça comporte de problèmes. Alors, la plupart des gens se marient pour ne pas être tout seul. Là. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils s'appuient l'un sur l'autre. Finalement, ça fait pas des individus bien forts, ni d'un bord ni de l'autre. En tout cas, c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, mais ça se peut pas. Quand j'étais petite, j'avais des rêves, moi, des rêves individuels. C'était pas des rêves nécessairement d'être la moitié de quelque chose qui était prévu et qui continuait son petit, sa petite route là, bien étroite. J'ai dit non, il me faut que je fasse quelque chose de moi, de ma vie. Chacun, c'est comme ça. Mais ça a été possible parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent peut-être ça toutes seules à la maison et puis qui n'arrivent pas à faire le pas. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui fait que vous avez écrit et puis vous chantez puis vous êtes maintenant en train de devenir une vedette? Bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que moi, je l'ai fait? Peut-être que j'avais tellement une flamme intérieure de moi. D'où vient-elle? Est-ce qu'elle vous vient de l'île du Prince-Édouard où vous êtes née? Je ne sais pas, ça se peut. Ça se peut parce que je viens d'une famille qui est très... qui s'exprime beaucoup, puis qui est très... mes parents sont vraiment extraordinaires. Ma mère est une femme très, très forte qui, maintenant, à l'âge de 65 ans, après avoir élevé 14 enfants, prend les cours, des cours de bijouterie, des cours de céramique. Maintenant, elle enseigne et fait toutes sortes de choses. Peut-être qu'il m'est venu quelque chose de là, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a des choses, parfois, vous inventoriez votre passé, puis ce passé-là à l'île du Prince-Édouard, vous avez été quand même une grande partie de votre vie, et vous avez des choses que vous rejetez carrément, vous vous dites ça, bon, non, et puis ça, oui, je garde ça, dans le fond, vous faites un choix délibéré. Oui, c'est-à-dire, je suis maintenant dans la grande ville, je suis à Montréal, et puis j'aime beaucoup habiter la grande ville où il y a beaucoup, beaucoup d'activités, j'ai besoin de ça, ça me stimule pour écrire des chansons, pour aller toujours plus loin. J'aurais de la difficulté à vivre à l'île du Prince-Édouard à cause de ça. C'est parce que c'est tranquille. Alors, c'est l'endroit idéal pour se reposer. C'est très tranquille, mais je pourrais plus maintenant, seulement pour les vacances.
j'y vais. Mais comme vous dites, vous aviez balancé mari et chien et tout. Et chien, et puis oui. Vous avez d'une certaine façon balancé pays et famille. Oui. Alors, comment vivez-vous cette solitude-là? Est-ce que c'est elle qui vous aide à la création précisément? C'est pas vraiment une solitude, c'est un autre genre de vie. Et finalement, oui. C'est le genre de vie que je voulais. Dans le fond, je me rappelle toujours que j'ai voulu ce genre de vie, qui est une vie remplie de voyages, remplie de rencontres nouvelles tout le temps, puis aussi remplie de connaissances, toujours apprendre de nouvelles choses. Aussi, la création, ça m'aide certainement pour la création, parce que j'habite seule, et puis à n'importe quelle heure de la nuit, bon, ben, si j'ai des idées ou si j'ai des problèmes, je m'assois à mon piano, puis je crée, je fais de la musique. Mais... Vous avez dit que 30 ans, ça avait été un âge important dans votre vie. Oui. J'ai commencé à écrire il y a 4 ans. Alors, à ce moment-là, j'avais à peu près 28 ans, 29 ans. Et puis, c'est vraiment à cet âge-là que j'ai découvert que, bon, bien, j'étais un individu, quelqu'un qui pouvait avoir des idées, qui pouvait avoir la force aussi de les dire. Est-ce que pour vous, ça représente vraiment une sorte d'engagement, là, de chanter et de chanter ce que vous chantez? Oui, on peut dire. C'est pas vraiment un engagement uniquement féministe ou quoi que ce soit. C'est un engagement d'amour, si on veut. J'aimerais tellement communiquer à tous les gens, qu'ils soient francophones, anglophones, américains, européens. Une espèce de joie de vivre, une espèce de communication. Quand je fais des spectacles, les gens chantent avec moi. Ils chantent tellement qu'à un moment donné, moi, je chante pas. Je les accompagne. Oui. Et puis, ils se pensent dans une soirée où c'est eux qui sont les maîtres. Et puis, ils sortent de là, s'ils avaient les bleus ou je sais pas, au moins des problèmes avant de rentrer, là. Il me semble qu'ils me disent, vous avez parlé de tous nos problèmes, là, puis vous les avez tous mis comme étant pas si importants que ça. Finalement, vous en avez passé par-dessus et c'est ce qu'on a envie de faire. Mais est-ce que c'est pas un peu ce qu'on pourrait vous reprocher, Angèle, justement, de faire ça un petit peu comme une écolière, un petit peu trop optimiste, presque? Si ça se peut. Ah, ben je sais pas. Un petit peu idéalisé. J'ai des chansons qui sont très, très comme ça, très, 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 très optimistes. Mais... J'en ai d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins, mais par contre, si on regarde bien les paroles, les chansons sont très réalistes, dans le fond. Quand je les ai écrites, c'était pas si gay que ça. Mais c'était tellement important pour moi de les dire, là, puis aussi de m'en sortir, parce que chaque chanson est une chose... Je m'en sors à la fin de la chanson. Alors, ça devient optimiste. Ça devient correct, parce que chaque chose, il me semble qu'il faut arriver à le vivre à fond, puis à passer par-dessus, puis à en rire. C'est un peu ma théorie. C'est un peu peut-être aussi... Les gens de chez nous, à l'île du Prince-Édouard, là, ils sont vraiment très, très, très optimistes. Ils sont très drôles. Ils sont comiques. Le ciel peut leur tomber sur la tête. Ils peuvent avoir pas d'électricité, une tempête de neige. On en a vu d'autres. On fait un party, tu vois? C'est un peu comme ça. Alors, quand vous dites, vous posez la question « Pourquoi ma vie? », alors, dans le fond, vous ne prenez pas ça d'une façon très tragique. Bien, non, pas trop. Je trouve qu'il faut pas. Il faut vivre chaque chose, par exemple, profondément. Je suis pour ça, qu'on vit chaque problème, chaque chose. Mais comme je disais, il me semble qu'il ne faut pas rester là-dedans. Si on reste dans la tristesse, ça avance à quoi? Ça avance à rien. Mais le jour où vous n'aurez plus de problème, vous allez arrêter de produire? Je sais pas. Non, je pense que ça arrivera pas. C'est pas juste mes problèmes non plus. C'est les problèmes et c'est aussi les choses que je vois autour de moi. Je ressens, je suis comme une éponge. Je ressens aussi ce que les autres ressentent. Comme par exemple, j'ai plusieurs chansons sur mon prochain long jeu qui va parler des hommes, par exemple, de leurs problèmes aussi, puis de leur libération qui est importante. Qu'est-ce que c'est leur problème? Dites tout ça. Bien, j'en ai une qui s'appelle « Peur de vivre ». Et puis, c'est un peu le phénomène des hommes qui regardent les sports, mais qui en font pas. Ah oui. C'est un peu votre dada, ça, ma parole. Ben, pas juste ça. Aussi, la violence, les gens qui regardent les gens s'exprimer par la violence, mais qui
eux-mêmes refoulent beaucoup trop de choses. Et je suis d'accord que les hommes refoulent beaucoup trop de choses, mm-hmm. comme les femmes aussi. Et puis, on pourrait peut-être sortir ce défoulement-là d'une autre façon. Je ne sais pas encore la réponse. Angèle Arcelot, vous connaissez un succès qui va grandissant, comme je le disais tantôt. Et puis, est-ce que ça a des rebondissements jusque dans l'île du Prince-Édouard? Et comment c'est perçu là-bas? Oh, mon Dieu, ça va vraiment bien. Là-bas, les gens, ils sont formidables. Ils achètent mes disques. Même j'arrive chez moi, les salles sont combles. Il n'y a aucun problème. C'est formidable. Je m'en vais justement à l'île du Prince-Édouard pour un salon du livre, puis la semaine prochaine. Et puis, c'est formidable. Ma famille, surtout... ils m'ont jamais lâché, ils ont toujours été là pour m'encourager. Alors, depuis ce virage des 30 ans, là, vous vous sentez bien dans votre peau? Pas mal. De mieux en mieux. Bon, alors j'espère que ça va continuer longtemps, Angèle Arcelot. Merci beaucoup. On aura l'occasion, d'ailleurs, de vous entendre à nouveau dans quelques instants. Merci. Merci.